grand voile. Bienvenue à bord, Duncan. Ce n'est qu'un modeste schooner, mais il convient idéalement au convoyage des marchandises de ma plantation. Un beau navire, le vent a forci. On ferait mieux d'envoyer toute la toile, non? Ah, sentir le vent dans mes cheveux et le parfum de l'océan dans mes narines. Cette odeur brute me réconforte. Elle m'évoque tant de possibilités. J'aime ta manière de voir les choses, Bonnet. Nous voguons à belle allure, Duncan, n'est-ce pas? Les matelots semblaient assez inquiets à l'idée que les pirates écument ces eaux. Pensez-vous qu'il s'agit d'un réel danger? Pas vraiment. La plupart des pirates rôdent dans la passe au vent. Espagnola. Je vois, en effet. C'est un des trois très fréquentés. Mais à dire vrai, je n'ai guère à m'inquiéter d'une attaque de pirates. Mon navire est petit et je ne transporte rien de bien précieux. De la canne à sucre, de la glace, du rhum. Un seul pirate au monde tournerait le dos à un tonneau de rhum. Ma foi, vu sous cet angle, vous devez avoir raison. Vous autres! Je vais ferler jusqu'au dernier Bon, allez, on fait la visite. Dans ton dossier, tu as déjà fait des recherches dans les mémoires génétiques, mais pas tant que ça, ce qui est surprenant. En tout cas, tu sais ce que tu fais. Tes flux de données sont très stables. Ce bâtiment est d'une beauté incroyable, non? J'aimerais bien qu'on découvre l'ancêtre du Japon féodal. Impressionnant, non? Ce bâtiment existe depuis environ 6 mois, mais le studio Abstergo Entertainment a été créé bien avant ça, en 2010. Peut-être as-tu vu Libération? C'est le premier titre à employer la techno Animus. C'était juste la partie émergée de l'iceberg. D'ici peu, on va lancer des serveurs Animus grand public. On va inonder le monde entier. Le joueur vivra une expérience passive, bien sûr. Des versions remontées de l'histoire. Uniquement les moments palpitants. Et on pense avoir trouvé le sujet idéal pour notre premier long-métrage virtuel. Les pirates des Antilles. Tu vas bosser là-dessus. Ça va prendre 1 minute, ok? Je te remercie, Nancy. Bonne journée.
C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Ça, c'est pour toi. Le plus important de tous nos gadgets. Ton communicateur. Allume-le et j'ai dit un œil, c'est plutôt cool. T'as peut-être remarqué que la sécurité n'était pas très élevée par ici. C'est parce que ton communicateur contrôle tous tes déplacements. Quand le signal wireless clignote, c'est que t'es connecté à l'ascenseur. Allez, à toi l'honneur. On va au studio de l'échantillon 17, niveau 2. T'es prêt? On y va. Bon, voici l'étage de l'échantillon 17. On explore les mémoires génétiques d'un très généreux donateur, Desmond Miles. On extrait toutes les merveilles de son ADN. Et avec un peu de chance, on va pouvoir utiliser nos trouvailles pour façonner des expériences fantastiques.
J'espère que vous resterez dans les parages pendant que je mènerai mes affaires. Je serai soulagé par la présence d'un individu de votre stature en cas de méprise. Je peux rester dans le coin. J'ai besoin de boire un coup. Splendide. Un coup. Faut croire qu'on aime guère les pirates ici. Je me demande combien de réales ils ont volé pour finir. Hola, mesdames. Vous ne connaissez pas ces femmes, quand même. Non, il faut les payer pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de réales pour chaque heure en leur compagnie. Ça te tente ? Non, par le ciel, non. Je suis un homme marié. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. Ah, voilà une échoppe où un homme peut trouver de quoi se défendre. Je devrais suivre votre exemple et acquérir une de ces lames, Duncan. Ce rasoir rouillé ne vaut pas le coup. Peut-être bien, mais à côté de vous, j'ai l'air d'un chaton inoffensif. Peut-être qu'une bonne dague me conviendrait. Allons voir. Je devrais m'acheter une épée, on me prendra plus au sérieux. Oh, nous ferons la paire, vous et moi, aussi féroces l'un que l'autre. Prête-moi quelques réales, mon ami. Je viens de te sauver la peau. Ah, mais bien entendu. Merci. Ah, ça me convient davantage. Et toi, Bonnet ? Hélas. Si no lo tengo, no lo tengo, ¿verdad? Oh, sacre bleu. Ne t'en fais pas, je vais prendre un peu de hauteur. Où est-ce qu'on doit aller ? Chaque doigt est un hameçon. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai marin. Oui, c'est bien dit, je l'avoue. Je crois que je vois ta taverne. On n'est pas loin. Arrêtez! Tiens bon! Remets ma bourse! Bon sang, que dois-je faire? Ah, j'en perds le souffle! Je crois que mon cœur s'est arrêté! Si je t'attrape, je te brise les genoux! C'est là un étranger. T'as mal choisi ta victime, mon gars. Cet homme a des amis dangereux. Non, mais jugaré le pellejo. Corre! ¡Qué horror! ¡Han matado al chico!
Duncan, mon Dieu, vous êtes en vie. Bien sûr que je suis en bois. Oui, je me tais. Ah, nous y sommes. Trompez-moi!